Gamer. Ils sont là. Ils sont présents. Et ils ne veulent pas repartir les mains vides. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième cérémonie des Gaming Video Awards. Je suis Eddiablement et je serai votre présentateur tout au long de cette soirée. Bonjour Asgard. Bonjour. Donc je t'invite à t'asseoir. Merci. Je vais te demander en 2-3 mots de te présenter un petit peu, voir ce que tu fais dans ta vie active. Et ensuite je vais te présenter un petit peu, vas-y, à toi l'honneur. Eh bien c'est très rapide, je suis blogueur sur asgame.fr. Très bien. Et je gère un petit peu toute l'actu JV, high-tech, les bons plans parisiens, les avant-premières cinéma. Voilà, c'est à peu près tout. D'accord, très bien. Et également, pour cette année, tu as été jury pour les Gaming Video Awards. Est-ce que tu peux nous dire très rapidement comment tu as fait ta liste, comment tu as fait pour déterminer certains gagnants, comment tu as fait tes préférences? Alors ça a été assez difficile, disons qu'on a eu beaucoup de participants. J'imagine. Beaucoup de vidéos à regarder, beaucoup de personnes que je ne connaissais pas, donc j'ai regardé leur contenu, ce qu'ils faisaient, leur chaîne YouTube, ce qu'ils proposaient. Et ensuite, j'ai établi une liste dans l'ordre par rapport au... parce que c'était par ordre junior, bronze, etc. Et moi, je me suis fait une liste des personnes qui ressortaient pour moi du lot. Et après, je les communiquais. Je vous les ai communiqués. Donc, tu l'as fait par coup de cœur, vraiment. C'est ça. Ça a été tes coups de cœur, voilà. Très bien. Et donc, tout de suite, du coup, Asgard, je vais te demander quel est le gagnant des juniors. Eh bien, dans la catégorie junior, c'est Pumpkey. Et donc, du coup, Pumpkey qui est là ce soir, bravo à lui. Et Pumpkey que je vais inviter à nous rejoindre, bien évidemment. S'il est là. Pumpkey. Hey! Enchanté. Voilà. Enchanté. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Pumpkey. Je t'invite à t'asseoir avec nous. Super. Donc voilà, Pumpkey. Tu as gagné au moins un prix aujourd'hui. C'est le prix donc vidéo du jury junior. D'accord. Je te présente vite fait. Pumpkey donc est vidéaste, jeux vidéo, un petit peu film, c'est ça? Ouais, un tout petit peu ciné, oui. Voilà, décris-toi toi-même, du coup, tu veux te présenter un peu? Tout simplement, trois émissions, jeux d'émotion, dédiés aux émotions et aux jeux vidéo, les top 6, émission d'humour, et puis Retro Pumpkey sur l'histoire du jeu vidéo avec un grand H. Très bien. Et un petit mot peut-être sur ce que tu as pensé de la chaîne de Pumpkey, pourquoi tu l'as élu ou quoi que ce soit? Eh bien, un gros potentiel, et je pense qu'il a toutes ses chances de monter, et... il a du bon contenu et pourquoi pas merci. Aller au rang de ces grands youtubeurs actuels. Pour ma part, moi je connais Pumpkey depuis une petite année. Je suivais ses vidéos et je m'attendais absolument pas du tout à ce qu'il arrive ici, sachant que je ne savais pas qu'il avait autant de reconnaissance du coup. Et c'est vrai que ça me fait vraiment plaisir parce que c'est un youtubeur que j'aime énormément. Du coup, Pumpkey, bravo pour ce prix. Ouais. Et du coup, je vais t'inviter du coup à quitter le plateau. Et bah merci. Ouais, super. Le temps que on annonce les autres gagnants. Merci. Et je vais juste remercier Garland qui m'aide à faire la chaîne. C'est vachement important. Garland qui fait Retro Pumpkey avec moi. Et il a gagné ce prix aussi. Et je le partagerai avec lui. Eh bien, merci Garland si tu nous regardes. Ciao. Merci à toi. Au revoir, Pumpkey. Du coup, je vais te demander d'annoncer qui est le gagnant bronze. Eh bien, dans la catégorie bronze, c'est Mamie Twink. Très bien, gagnant. Mamie Twink qui remporte donc cette catégorie bronze. Bonjour à tous, c'est Mamie Twink. Alors malheureusement, j'ai pas pu me déplacer pour assister à la cérémonie de remise de prix. Et c'est pourquoi je tenais à vous remercier en vidéo pour les fabuleux prix inutiles, donc forcément indispensables, que j'ai remportés. Merci à tous ceux qui ont voté. Merci au jury et bonne soirée à toutes et à tous. Très bien, donc Mamie Twink, du coup merci d'avoir fait cette vidéo pour vous du coup. Et du coup on va tout de suite passer au prochain, on commence à rentrer un peu dans le vif du sujet avec la catégorie argent. Donc ça commence à devenir des meilleurs, enfin on va dire selon toi des meilleurs youtubeurs. Ouais. Qui as-tu mis comme gagnant argent? Bibix. Voilà. Et donc c'est donc Bibix qui remporte cette catégorie argent. Bibix qui n'a pas pu être là non plus, mais qui nous a également laissé une vidéo. Pour remercier Gaming Video Award pour m'avoir attribué, ainsi que les gens, le meilleur prix du gaming vidéo gaming, simple text, meilleure chaîne. Merci d'avoir voté pour moi. Je suis très touché par cet événement.
C'est quelque chose d'incroyable. Et puis, merci. Très bien, bah bravo Bibix à toi. Merci d'avoir envoyé cette vidéo. C'est vraiment gentil de ta part. Nous allons passer à notre deuxième invité. Nous allons tout de suite accueillir Genius, un des meilleurs joueurs de combat à la manette du monde. Genius, je t'invite à me rejoindre. Je suis là. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, je ferme la porte. Vas-y. Genius, ça me fait énormément plaisir de t'avoir. On te connaît parce que tu étais présentateur de Game One. Ouais. Tu as été aussi un très gros joueur de jeux de combat. Ouais, c'est ça, jeux de combat, ouais. Et tu es toujours d'ailleurs, je mets au passé. Voilà, non, bon, tu es loin d'être. La victoire est lointaine, mais j'essaie de rester dans le coup. Et du coup, bah, c'est vrai que je vais te demander de te présenter un peu plus ton actualité, qu'est-ce que tu fais en ce moment. Bien sûr. Bah, vas-y, je te laisse la parole. Écoute, j'en suis ravi, merci. Bah oui, animateur chroniqueur sur Game One, toujours là depuis la rentrée. On a une nouvelle grille toute fraîche. J'ai une émission aussi sur Gaming. Tom et Genius, et puis toujours, je fais les salons, je prépare les tournois, les champions du monde de jeux de combat à Las Vegas cet été, et les champions du monde de Quake, donc voilà, joueur animateur. Ah, voilà. Tant que je peux. Tant que je peux. Un grand personnage, si je puis dire. Ouais, quel honneur. C'est vite dit, j'essaye. Quel honneur de t'avoir avec moi. Énormément de participants, de bons participants cette année, incroyable. Donc du coup, je vais tout de suite te demander, quel est le champion junior de cette année? Quel est le gagnant? J'ai la boîte. Le champion junior de cette année est Yorizo. Donc tu peux montrer la boîte bien évidemment. Donc Yorizo, qui n'a pas pu être là ce soir, mais par contre, bien évidemment, il nous a laissé une vidéo. On la lance tout de suite. Salut tout le monde, c'est Yo, et je tenais donc à remercier les membres du jury des Gaming Video Awards, ainsi qu'à Alex Good et évidemment au public, qui m'a permis donc de l'emporter grâce à ma review sur The Witcher 2. Si on m'avait dit que je ferais déjà partie des 200 sélectionnés, puis des 80 finalistes, et pour finir dans les 20 derniers gagnants, bon, j'y aurais pas cru, je suis vraiment très heureux et je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines reviews sur ma chaîne. Ciao ciao. Et donc du coup, encore bravo à lui. Je te laisse le féliciter également. Je félicite, franchement je ne connaissais pas. J'ai découvert il n'y a pas longtemps, donc je félicite un grand bravo à lui. Et du coup, je vais te demander quel est le gagnant de la catégorie bronze. Le gagnant de la catégorie bronze de cette année est Amixem. Bonjour les Gaming Video Awards, écoutez, je tenais à vous remercier pour ce prix, pour avoir voté pour ma vidéo. C'est le prix de la meilleure vidéo autre, donc ça veut dire que je fais très bien tout ce qui touche autour de autre, et ça fait plaisir. C'est pas toujours les vidéos sur lesquelles on travaille le plus qui récoltent le plus d'audience. C'est le cas de celle-ci, j'ai passé énormément de temps à la faire, donc ça me fait vraiment plaisir de recevoir un prix pour cette vidéo. Et puis bah écoutez, je vous remercie tous encore une fois d'avoir voté pour moi et pour ce travail là. Je souhaite une très très bonne continuation au Gaming Video Awards, que cette cérémonie s'installe et devienne tout à fait incontournable dans le paysage de YouTube et de Twitter et des réseaux sociaux. J'espère que vous allez passer une bonne soirée sur le live des Gaming Video Awards. Je vous fais à tous la gros bijoux, salut. Annoncer quel est le gagnant de l'or. Alors, l'or, le top 2, le vainqueur est Unster Beecher. Unster Beecher, ça paraissait évident. Cette année, il a fait une année sur YouTube incroyable entre reportages, jeux. Il a fait plein de matchs sur notamment Minecraft. Beaucoup, toujours son let's play sur SimCity. Voilà, un YouTuber que j'affectionne énormément pour ma part, que je suis beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau message de remerciement. Alors aujourd'hui, je ne peux pas être à vos côtés, mais je tenais à vous dire un énorme merci, un grand grand merci pour ce prix. Alors, vous vous dites, mais pourquoi est-ce qu'il ne peut pas être à nos côtés? Non, vous vous dites pas ça. Et ben, je vais quand même vous expliquer. C'est très simple, vous l'avez compris, hein, au fur et à mesure de mes vidéos, que j'habitais dans un asile psychiatrique, et il s'avère que j'ai réussi à m'enfuir nu avec un dictaphone, parce que je suis un mec comme ça. Donc je me suis permis de prendre le dictaphone, d'enregistrer ce petit message, et d'envoyer évidemment très très fort le dictaphone à mes compères du Gaming Video Awards, pour qu'ils puissent vous diffuser ce message. Alors encore une fois, un énorme merci.
Et j'espère que cette année, je continuerai de vous faire autant plaisir. Allez, bye bye, c'était Hunster Bleacher. Oh yeah. Ouais bah quand même, j'allais pas oublier de faire ça. Un grand bravo à Hunster Bleacher, un travail formidable. Bonjour. Si t'as quelques mots à dire. Un grand bravo à lui. Forcément. Tout simplement. Et donc du coup, le champion platine, je te laisse l'annoncer, on l'attend tous. Le patron, le champion que je connais un petit peu, c'est un peu le Carlos du jeu vidéo, on le reconnaît à sa chemise. Le génie, le joueur du grenier. Encore une fois, deuxième prix raflé. Il commence bien la soirée, on peut le dire. Il se régale. Il est bon. J'en ai déjà parlé moi juste avant, donc je vais éviter de me répéter. Mais toi, qu'est-ce que tu penses de ce youtubeur? Écoute, moi je l'aime beaucoup. Je le rencontre de temps en temps dans les petits salons que je fais avec KNE. On rigole bien. C'est un mec très très sympa. En plus, je trouve qu'il fait un très très beau travail. Il a de l'humour, de la déconne. Franchement, il mérite ses prix largement. Bah forcément. Puis encore un grand bravo parce que vraiment, je suis vraiment fan de lui. Du coup, c'est vrai que cette catégorie est déjà finie et à mon plus grand malheur, je vais devoir te quitter. Écoute, je suis désolé. T'as été princier, je te fais la bise. Allez, je te fais la bise. Merci, bon, merci à vous. Hein. Du coup, au plaisir. Bah, on espère te revoir l'année prochaine. J'espère aussi, je serai là. Et du coup, bon retour. Merci, je vais rentrer. Merci à vous. Ensuite, passer à la prochaine catégorie. Et pour ça, j'ai un invité de marque que j'avais vraiment envie de l'avoir avec moi parce qu'il se trouve que c'est quelqu'un que je suis depuis mes débuts sur un certain type de jeu vidéo, Minecraft. Il se trouve que j'ai avec moi aujourd'hui Tech, YouTuber, streamer et réalisateur pour Gaming Live. Tech, si tu veux, tu peux rentrer. Salut. Salut à toi, Tech. Alors, voilà le bonsoir. On va faire ça comme ça. Bah oui. Donc Tech, je viens de te présenter donc comme YouTuber, streamer et réalisateur sur donc Gaming Live. C'est ça. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de ton actualité? Qu'est-ce que tu fais? Préciser un petit peu plus éventuellement. Alors en ce moment, je me suis un peu éloigné du stream sur tout ce qui est donc la TV1, les TV généralistes, et du coup, je continue surtout sur ma chaîne perso pour tout ce qui est Gaming Live. Et je m'investis un peu plus dans la réalisation, donc réalisation de live, donc tout ce qu'il y a en post-production par exemple maintenant. Hein. Et sinon sur YouTube, j'ai été un peu absent, mais ça commence à revenir avec d'autres projets autres que Minecraft, parce que j'ai vu que t'en as parlé. Et donc voilà, on verra ce que ça donne. Je peux pas trop spoiler parce que même moi je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais plein de projets, voilà. C'est vrai que je reprécise, mais pour ma part, quand j'ai connu Tech, il faisait beaucoup de Minecraft, notamment avec les Patrick. Ouais. Je le suivais énormément. Après ça, on a vu que tu t'étais un petit peu éloigné de YouTube. Ouais. Puis dernièrement, après plusieurs fois tu as repris. Puis on a vu que tu t'étais diversifié sur beaucoup d'autres jeux. C'est ça. Et du coup, pour ma part, en tout cas pour te suivre, j'ai découvert totalement quelqu'un d'autre en fait, qui s'éclate autant en fait sur d'autres jeux vidéo que ce que tu faisais sur Minecraft. Et en ce moment, on a beaucoup de rediffusions de live en condensé. C'est ça. Qui donne vraiment des vidéos très amusantes. Donc je vous invite bien évidemment à aller voir sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ok, donc les nominés du prix platine dans cette catégorie, The Fantasio 960. Et donc du coup on va pas faire attendre plus. Moi j'aime bien. Très bien, on va attendre plus. C'est parti. Attends, on reste comme ça. Donc tout de suite je te demande donc quel est le gagnant de la catégorie donc du coup junior. Alors junior, là j'ai ma petite boîte et c'est Punky. Donc Punky qui est gagnant. Punky qui revient avec nous. Magnifique Punky, deuxième prix, tu rafles encore. Il squatte tout le temps. C'est incroyable. Je te fais de la place. Ah merci. C'est vraiment incroyable. Encore un plaisir du coup de t'avoir avec nous. Bah merci. Oh merci, c'est gentil. Félicitations. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis un winner. Tech, peut-être un petit mot. Bravo. Il est où le mien, mince. Peut-être un petit mot, Tech. Eh ben félicitations à toi. Merci beaucoup. Et j'espère que t'en gagneras pas d'autres. Plein d'autres, pardon, je me suis trompé de mot. Excuse-moi. Merci, c'est sympa. Peut-être un petit mot toi aussi éventuellement. Merci, ouais, c'est vraiment sympa. Meilleure vidéo gaming, la vidéo BioShock en plus, c'est une vidéo qui me tenait à cœur, donc vraiment très cool. Et puis surtout, je voulais dire que dans les commentaires de cette vidéo, il y a quelqu'un qui m'a dit grâce à toi, je me suis remis au jeu vidéo, et rien que ce commentaire est un award en soi pour moi. Ça fait plaisir. Voilà. C'est sûr. Du coup, je suis désolé, mais je vais encore devoir te virer du plateau. Ouais, peut-être à plus tard. Hein. On s'appelle, on se fait une bouche. Inch'Allah. Tranquille. Et donc du coup, très beau gagnant, une deuxième fois. On rentre dans donc du coup les quatre derniers, mais on commence avec des catégories qu'on connaît plus, dont le bronze. Donc, et d'ailleurs, quel est le gagnant du bronze? Alors le bronze, c'est d'ailleurs, je suis étonné de le voir là, mais c'est Mami Twink. Donc Mami Twink qui est bronze. Mami et puis Twink. Quelqu'un que j'ai beaucoup suivi quand je jouais à World of Warcraft énormément, pas sur les vidéos, mais sur son site surtout. Et que depuis que j'y joue plus, je le suis plus, mais il a de beaux projets. Et...
bravo à lui. Et Mami Twin qui rafle également son deuxième prix en bronze. C'est incroyable. Bravo. C'est, il fait vraiment pareil cette année. Je te l'amènerai. il est à égalité avec Funky et Joueur du Grenier pour l'instant. Et donc, du coup, nous allons passer à l'argent. Tech, s'il ouais, te plaît. L'argent. Toi qui aimes l'argent. J'adore la YouTube Money et tout. Et ben, c'est Bibix qui est Bibix. Qui est en argent, donc. C'est ça. Et qui gagne également son deuxième prix. Donc, comme quoi, ça tourne vraiment autour des mêmes. Bah, bravo. Il fait vraiment. Je vais me présenter la semaine prochaine, moi. Il fait vraiment des vidéos de qualité, on peut le dire. Et je t'invite tout de suite à passer dans le top 2. Les ah, deux là, meilleurs, ça commence à être intéressant. Les deux meilleurs. C'est parti. Alors. Nous avons en or Hearthstone FR. Incroyable, Hearthstone FR, incroyable. On ne les attendait pas, elle est pas là. Pour, en tout cas, pour moi, je ne les attendais pas là. Et pourtant, j'avoue, vrai qu'en un an, ce jeu a vraiment percé. Et du coup, cette chaîne. Et il n'a pas fini d'ailleurs. Et il n'a pas fini, sachant qu'on attend encore en plus de ça l'adaptation sur, sur iOS et sur Android. C'est déjà possible. C'est... Via des petites manipulations, mais c'est déjà possible. Personnellement, j'ai essayé, mon portable a du reboot. Et donc. Et ça marche pourtant, tu peux demander à Asgard. Hein. Et on les attendait pas là. Il n'y a pas eu de représentant cette année, mais nous avons quand même une vidéo de leur part qu'on va tout de suite regarder ensemble. C'est parti. David 2, parce que même David 1 n'a même pas pu être présent physiquement. Effectivement, David 1 est en ce moment malade. C'est bien triste. Je pense qu'on en est tous très tristes en ce moment de l'absence de David. Mais David 2, son remplaçant, est bien présent et bien surexcité, comme vous pouvez le voir, pour vous remercier. Ben, vous remercier pourquoi? Ben, bien sûr, pour ce Gaming Video Award. Donc, déjà, merci, bien sûr, pour l'organisation de ces awards. C'est déjà une super initiative. Et bien sûr, merci à tous d'avoir voté pour nous. En tout cas, merci à ceux qui ont voté pour nous. Peut-être pas à tous, mais à ceux qui ont voté pour nous. C'est un vrai honneur de voir que la communauté du gaming et la communauté d'Hearthstone FR Strategy et d'Hearthstone de façon générale, eh bien, nous apprécie. Comme vous voyez, j'ai mis ma casquette de la chance ce soir, ma casquette préférée. J'avais mis mon magnifique badge Vote for HSFR. Voilà. Alors, malheureusement, vu que je n'ai pas le trophée dans les mains, j'ai pris un autre objet pour le remplacer. Donc je vous remercie de tout cœur pour ce magnifique trophée qui, j'espère, est sur place et qui nous sera bien sûr envoyé à notre domicile pour pouvoir le mettre sur l'étagère derrière. Et merci, donc je l'ai déjà dit à la communauté, on est super heureux, on espère que vous vous amusez bien sûr aussi à la Paris Games Week. Et on se retrouve de toute façon très bientôt, que ce soit sur des streams, que ce soit sur Hearthstone FR Strategy, sur YouTube ou tout simplement, comme vous savez, dans la rue. Enfin, ou pas dans la rue, vu qu'il vaut mieux pas nous suivre dans la rue. Enfin, voilà. Merci à tous, et je suis aussi à plus. Un grand merci à Hearthstone FR pour cette vidéo, puis encore des félicitations. Eh oui, félicitations à eux. Et il reste donc l'ultime prix, à mon grand désespoir, je vais devoir quitter Tech, mince. Mince alors. Ah. Moi je pars avec tous les prix, donc je m'en fous. Eh oui, et les absents ont toujours tort, excusez-moi. Et donc du coup, Tech, quel est le gagnant, le grand gagnant de cette catégorie? Alors, le grand gagnant de cette catégorie, c'est Joueur du Grenier. Bravo à toi. Tech, je suis désolé, je vais devoir te demander de partir. Je m'en vais. J'ai le cœur brisé. Est-ce que tu peux reprendre les prix, effectivement, puisque tu les as gagnés comme ils ne sont pas là. Hey, plein de jeux dedans. Et donc, du coup, que des Captain America, figure-toi. Et donc... Non, tu mens. Il y avait un mini ninja tout à l'heure. Bravo. Tu as tout regardé, ça veut dire? Oui. Et donc, du coup, bravo. Merci, Tech, surtout. Oui. Et à l'année prochaine, éventuellement, en tant que participant. Pourquoi et pas, surtout, ouais. J'aimerais bien te revoir sur mon plateau avec moi. Moi ça me ferait canapé, extrêmement c'est plaisir. C'est vrai qu'il est très agréable, je trouve. Écoute, Tech, je te fais la bise. Ça fait plaisir de t'avoir. Et puis avec moi. Et à la prochaine. On se voit après. On se voit après, effectivement. Au revoir, les gens. Et merci pour les prix. Nous allons enchaîner avec une nouvelle catégorie. Et pour cette catégorie, j'ai le plaisir, l'honneur d'accueillir une voix de mon enfance, une voix de votre enfance peut-être, si vous avez mon âge, et même si vous êtes un petit peu plus vieux, puisque nous avons la voix off, une voix off assez connue en France, puisqu'elle a fait notamment Spider-Man ou Titeuf. Je vous demande d'accueillir Donald Reignoux, s'il vous plaît. Bonsoir. Enchanté. Salut. Ça va? Yes, impeccable. Eh bien écoute, je t'invite à t'asseoir, bien évidemment avec moi. Donc je viens effectivement de te présenter comme une des plus grandes voix off, hein, on va dire en France, pour ma part, on va dire de ma génération. Ouais. Parce que je te connais avec beaucoup de dessins animés que je regardais et dont j'étais fan. Je vais te demander de te présenter toi en quelques mots, histoire de me dire un petit peu
bah, qu'est-ce que tu fais, ton actualité, vas-y. Bah, donc, je suis comédien, j'ai 32 ans, et ça fait 22 ans que je fais du doublage. Donc, je fais la voix française de Titeuf, de Spider-Man dans les derniers épisodes, où je fais Andrew Garfield, et puis je fais la voix antenne des jingles de NRJ 12, Disney XD, et puis aussi un peu de sport mécanique. Donc voilà, voiture, en moto, un peu de tout quoi. Voilà, ce mec est génial. Est-ce que éventuellement je peux te demander de faire peut-être la voix de Titeuf? Oh non, c'est pas possible, hein, sauf si t'as le budget, là, vas-y, hein, sort ton chéquier, hein, bonhomme. Hein. C'est incroyable, c'est un kiff. C'est un kiff, j'adore, c'est génial. En tout cas, déjà, je tiens à te remercier parce que tu m'as fait passer des gros moments avec Titeuf. Enfin, ça fait plaisir. Voilà, s'il te plaît. C'est Donald Reed New. Ah non, c'est pas moi. Ah non, ça c'est toi. Mince, ah, désolé. Punky! Punky qui gagne un troisième prix, c'est incroyable Punky, bah vas-y, t'es un habitué du plateau de toute façon maintenant. Ouais, ça y est, je fais comme c'est, chez c'est moi. C'est un hold-up. Voilà, bah écoute, tu peux poser les pieds sur la table. N'hésite pas. C'est beau. Merci Donald. Voilà, nous meilleure chaîne. Encore une fois avec Punky, meilleure chaîne donc cette année aux GV Awards. Finalement, c'est une année complètement réussie, on peut le dire. Oui, bah oui, une participation réussie, c'est cool, c'est meilleure chaîne, meilleure vidéo, ça fait plaisir. Et prix du jury. Incroyable. Un parcours, on va dire, vraiment incroyable pour cette année aux GV Awards. Exactement. On va espérer te retrouver l'année prochaine. Ouais, bah ouais. Avec beaucoup d'espoir. Et éventuellement avec moi sur ce plateau pour remettre des prix, éventuellement. Ah, j'aimerais bien, bien. Du coup, on va enchaîner. Je suis désolé, on n'a pas plus beaucoup de choses à se dire, du coup. Bah, je vous refais un petit coucou et puis très content d'avoir un prix remis par Donald, que j'aime beaucoup. Et bah, avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Du coup, on va tout de suite enchaîner avec le gagnant de la catégorie bronze. Je vais tout de suite te demander de dire qui est-ce. Hugo Délire. Hugo Délire reporte donc la catégorie bronze. Il n'a pas pu être là ce soir, il n'a pas envoyé de vidéo non plus. Il avait Karine Cheryl, il joue avec le petit chariot à bouger d'un wagon à l'autre. Parce que ça, c'était ma génération. Voilà. Voilà. Alors, c'est pas le même, hein. Oh, mais bon. Merde. Qu'est-ce que t'es vieux. Ouais. Et donc du coup bah c'est la veste. Ouais, c'est ça. La veste. Le gagnant de la catégorie argent, s'il te plaît. Bibix. Incroyable. Bibix, un nouveau prix raflé. C'est il continue, il les enchaîne, on peut le dire. C'est beau. Cette année beaucoup de gagnants, en même temps vous les avez élus vous-même. Voilà, c'est des gens qui apparemment vous ont plu cette année. C'est beau, une troisième victoire. Toutes mes félicitations. Toutes les félicitations de Donald. Exactement, rien à ajouter, tout est dit. On en gros, Bibix nickel. Ouais, on passe. Alors, tout de suite, Laure. Dark Funeral. Dark Funeral qui gagne donc son deuxième prix. Or, cette année, de toute façon, je m'y attendais un petit peu à ce qu'il gagne plusieurs prix, sachant que, je suis en train de cracher, il a fait une année monumentale, toujours beaucoup de esprits diversifiés. Personnellement, c'est un YouTuber que je suis beaucoup. Après, je ne sais pas si tu suis beaucoup de vidéos YouTube pour ta part. Moi, je suis un peu vieux, j'ai les chaînes YouTube, c'est... Je connais les voilà, il regarde ça en rediffusion. Voilà, ouais. Je suis avec ma cassette et tout. C'est ça. Donc Dark Funeral, encore toutes mes félicitations pour cette victoire. Et donc du coup, on va passer au prix platine. Le prix platine qui cette année est gagné par le joueur du grenier. Bon, finalement, plus de surprise. Bah ouais, encore une fois, il le gagne. Il a tout raflé cette année. C'est incroyable. Il est vraiment très très bon. En même temps, il a fait une année monumentale avec des vidéos. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, de plus en plus pro avec des intros. Il a vraiment été, on va dire, impliqué dans sa chaîne plus que les autres années cette année. Et il reste intègre à lui-même. Un grand bravo à lui. Pareil, je ne sais pas si tu connais. Si, si, oui, je connais. Voilà, forcément, ça parle de vieux. Donc, voilà. Forcément, là, je connais. Ouais, voilà. Ton avis peut-être éventuellement sur les vidéos? Non, mais c'est cool, c'est vrai qu'elles sont, elles sont bien foutues. Tu vois qu'ils se donnent du mal à ce que ça ait de la gueule. Et on ne peut que respecter ce prix qui est amplement mérité. D'ailleurs, petite anecdote, c'est vrai que sur leur dernière vidéo, ils avaient annoncé la sortie une semaine avant, comme ils font à chaque fois. Et 2 heures avant, enfin peut-être pas 2 heures, mais on va dire 10 heures avant, il poste un tweet genre la vidéo arrivera 2 heures plus tard, on a refait une intro parce que celle-là nous plaisait pas, et je pense que ça montre énormément le travail qu'ils fournissent derrière. Je trouve ça incroyable de leur part, enfin ils refont une intro comme ça parce que eux ne sont pas satisfaits de leur propre travail à peine quelques heures de la sortie. Je trouve ça incroyable de leur part et c'est dans les détails hein, on fait la différence, c'est ça. Et voilà. Avant de partir, je voulais te dire quand même une petite anecdote. Il faut savoir que comme tu étais le doublage de mon enfance, oui, le doublage d'ailleurs, Titeuf principalement, que j'ai énormément regardé. C'est vrai que je pensais que tu étais beaucoup plus vieux. Non, mais ça aurait pu. Je t'avoue que quand je t'ai vu tout à l'heure, je me suis dit ah mince,
Mince. Et en fait, c'est vrai que je me suis fié à l'image que j'avais du doubleur de Oui Oui, qui est de la double. Ah oui, oui, mais bon, voilà. Elle était. Oui, oui, c'est le cas de le dire. Merci pour cette blague. Oui, 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 tout oui, en fait. Non, c'est des blagounettes. Et donc, du coup, bah, je suis désolé, mais je vais t'inviter à sortir. Oh, c'est triste. Ça m'a fait énormément plaisir de t'avoir avec moi. Avec plaisir. Vraiment. Un petit mot pour la fin, éventuellement. Ah bah, salut, allez, j'y vais au revoir, tiens. Allez, ciao. Merci énormément. Vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir. Avec plaisir. Merci à toi. Ciao. À bientôt. Et je vous demande d'accueillir avec moi Emeric et Brandon. Salut, salut. Salut Emeric, ça fait plaisir de te voir. C'est salut, Brandon. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Donc, bah, je vous invite à vous asseoir avec moi à mes côtés. Merci. Et donc, du coup, bah, je vous présentais vite fait Emeric Nichols de son prénom, il me semble, c'est ça? L'inverse est mieux hein, quand même. C'est ça, Nick Nichols. Hein? C'est ça, de son prénom Emeric. Merci de me reprendre, c'est bien. Est-ce que tu penses que tu peux fermer la porte juste s'il te plaît? C'est pas possible. Je fais l'happening, c'est pas fini là. Alors, le grand gagnant. Ça va. Merci Lionel. Donc les Gaming Video Awards, c'était un petit peu un petit trip comme ça qu'on s'est fait fin 2012. Petit à petit, ça a évolué, ça a avancé et on a commencé à avoir des partenaires. D'ailleurs, c'est grâce un peu aux partenaires qu'on est dans un cadre aussi professionnel. Et malgré toutes leurs erreurs, on a quand même une équipe technique magnifique. Ouais, franchement, les erreurs. Et un grand merci à Clem qui est avec nous sur le plateau depuis le début. Non, franchement, c'est vraiment génial. Bon, oui, il y a eu des petits fails. Ça peut arriver, je pense, à tous les lives. Ça peut arriver, surtout que bon, c'est un peu notre deuxième édition. On est toujours des amateurs. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que je remercie énormément le public qui est là, qui est présent, les partenaires également, les sponsors qui nous offrent des cadeaux. Ouais, petit cœur, voilà, je vous aime, putain, voilà. Hein? On va éviter de cracher par contre. Non, ouais. C'est peut-être Brandon un petit mot éventuellement. Bah, il a tout dit, on a juste à remercier bah tous les partenaires qui soutiennent, Truc de Fou, Xbox France, jeuxvideo.fr, YouTube Player Games, jecapte.com. Je crois que j'ai oublié personne. Les Citizen. Et oui, bien sûr Citizen ici. Bien évidemment. Citizen nous ont accueillis, c'est nous incroyable. Un cadre, c'est incroyable vraiment. Un cadre incroyable. Allez, viens avec moi. Je suis bien avec toi. J'ai avec toi parce que t'es un génie. Merci. Tu t'es débrouillé comme un chef. C'est je sais bon. Pas où on voilà. Va, mais... Bah, peut-être qu'on va mettre les petits devants. Je vais aller derrière. Mais dégage. C'est salaud. Non, reviens. C'est bon. Donc, on se retrouve avec Tech, Punky, non, là, Punky, Brandon, Donald Renew, avec Asgard, avec... Genius. C'est tout petit. Avec Genius. Mais pas mon pseudo. Genius, ouais, bien évidemment. Ce génie, on veut le dire. Ce génie inconnu. Emeric, bien évidemment. Je les remercie tous d'avoir été avec moi et surtout d'avoir organisé ça, d'avoir aidé à cette cérémonie qui a été très agréable pour ma part, en tout cas. J'ai vachement aidé. Voilà, donc un grand merci à vous, un grand merci à vous également. Peut-être un mot pour la fin, Emeric. Ben, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. L'aventure continue, évidemment. On se retrouve l'année prochaine. Gaming Video Awards 3ème édition. Cette fois-ci, par contre, on l'a fait, je sais pas, sur les Champs-Élysées. Ou... Allez, c'est parti. Ouais, allez, c'est dit. C'est rendez-vous. C'est le Stade de France. Ouais. Ciao. Voilà. Et voilà. Et on se retrouve donc l'année prochaine, éventuellement avec vous encore une fois. Et surtout, n'hésitez pas à aller suivre tous les invités sur les réseaux sociaux. Ça nous fera plaisir. Ça leur fera plaisir à eux. Merci d'avoir été là. Et sur YouTube, pour la YouTube Monnaie. Merci d'avoir été là et on vous souhaite une bonne soirée. Applaudissements, c'est beau.